Bonjour, je suis Jeanne, styliste. Et je suis Dominique, styliste, et nous sommes propriétaires des boutiques Virage Mode. Aujourd'hui, on vous montre 5 bases à avoir absolument dans votre garde-robe. C'est parti! Donc, les 5 bases qui vont passer au travers le temps que faudrait avoir absolument dans notre garde-robe. Donc, la première, c'est le petit veston de jeans ou jacket de jeans. Ouais, tu peux le mettre juste ici. Donc, le jacket de jeans, peu importe la coupe, des fois, il est plus long, il est plus court, il est plus ajusté, dépendamment des années. On vous conseille vraiment de le conserver parce que c'est sûr que vous allez le remettre. Puis, quand on met un jacket de jeans, ça rehausse vraiment notre ensemble. Donc, ça vient compléter. Puis, on peut le mettre à plusieurs Le porter... on peut le porter sur une jupe chic, on va vous montrer une photo, puis ça fait très beau. Ouais. Puis on peut le porter sur une robe soleil, sur un pantalon plus sport. Vraiment, si vous avez un haut qui est fabriqué en jeans, c'est une base dans votre garde-robe, il faut le garder. Oui, exact. Fait que c'est la première base qu'on voulait vous présenter. Ensuite, La deuxième base de notre garde-robe, c'est le petit veston noir en gabardine ou en coton. Le veston noir, c'est un must parce qu'il agence tout puis il va à toutes les occasions. Fait que ça, si vous ne savez pas quoi mettre, vous avez votre petit veston noir que vous pouvez enfiler sur presque n'importe quoi. Ouais. Puis quand on a besoin d'un petit look un peu plus chic, un peu plus habillé, ben là, on vient mettre le veston noir puis on ça change. Ouais, ça change tout. La troisième base. Après ça, il y a les jeans. Donc, ça vous prend toute une paire de jeans dans notre garde-robe. C'est un incontournable. Le jean s'est démocratisé aussi avec les années. C'est donc vrai. Maintenant, tout le monde porte des jeans. Tout le monde a des jeans dans sa garde-robe. Peu importe l'âge que vous avez, pouvez porter un jean. Ça dépend de la coupe dans le fond. C'est ça. Il suffit de trouver la coupe qui vous convient et vous allez pouvoir porter le jean. C'est vrai, Dominique, parce que quand les femmes viennent en magasin puis nous disent « Ah, moi, je suis pas capable de porter ça, un jean, ça me fait pas bien », c'est que vous n'avez pas été bien conseillé pour vous acheter un jeans parce que c'est sûr qu'il y a un jeans qui vous fait. Tout le monde peut porter un jeans. C'est juste qu'il faut que vous alliez au bon endroit pour être bien conseillé pour porter le jeans qui va à votre silhouette. Ouais. Puis c'est pas comme les jeans d'avant. Vous aviez des jeans qui étaient très, très raides avant parce qu'il n'y avait pas l'ingénierie des tissus. Maintenant, c'est des jeans qui sont souples et qu'on est confortable même si c'est un jeans. C'est ça. Ils sont stretchés de tous les côtés, toutes les bases. Fait que c'est hyper confortable, ces jeans, avec des bandes de taille élastiques. Fait que c'est merveilleux, c'est très, très confortable. On dirait qu'on porte pas un jeans presque. C'est ça. Ensuite, on a le pantalon noir, qui soit en ultra suède, en gabardine ou en coton. Le pantalon noir, c'est une base très importante dans un garde-robe. Ouais, il se démode pas, il est toujours beau. C'est ça, vous allez le porter sur un jeans ou vous allez le porter avec une blouse en soie. Dépendamment de l'occasion que vous avez, le pantalon noir va toujours vous dépanner. C'est vraiment important d'en avoir un dans le garde-robe. Puis aussi, vous allez l'actualiser, votre pantalon noir, comme le reste, avec des items de la saison. C'est ça. Avec des items que vous achetez mode de la saison, vous allez pouvoir actualiser tous vos vêtements de base en les agençant, en les mariant avec les nouveaux morceaux que vous allez acheter. Ouais. Après ça, pour finir, la dernière base, c'est le petit chandail noir basic. Donc ici, on a un petit chandail noir avec la manche bouffante, donc plus la saison. C'est une petite manche bouffante. Puis sinon, on a le petit col roulé classique noir qui est toujours beau, qui ne se démode pas. Tu sais, un chandail noir, là, vous a montré, ça peut être un petit chandail noir en coton. Ça en prend un dans le garde-robe. Tu sais, quand on ne sait pas quoi mettre, c'est le petit chandail noir avec un jean, c'est toujours beau. C'est ça. C'est parce que ça va partout. Il peut être à col rond, à col V. L'important, c'est d'avoir un chandail noir dans son garde-robe parce que vous allez le marier à n'importe quoi. Puis ça va vous donner du look. Parce il ne démodera pas. Moi, si on y met un foulard. Oui, c'est ça, si on met un foulard. Puis, il s'agence avec, mettons, moi, je mettrais là, celui-là avec mon pantalon en cuir. Bien, ça lui donnera un look plus chic. Mettons, toi, tu le mettrais avec ton jeans. Bien, ça te fera un look qui est plus sport. Puis, les deux, on a un petit chandail noir. T'sais, c'est super pratique d'avoir un chandail noir. Là. C'est un incontournable. Puis, c'est une couleur qui se marie à toutes les autres couleurs. Ça fait que peu importe les couleurs de la saison, votre petit gilet noir va agencer ce que vous allez acheter. Ça fait que c'est vraiment important d'en avoir un aussi. Et puis, ça ne démode pas. C'est le ça. Noir, tout le temps à mode. Oui, le noir, c'est une base. C'est toujours à la mode. Donc, c'est ça. C'est un petit peu ce qui fait le tour des 5 incontournables que ça vous prend dans votre garde-robe. Puis, si vous voulez, vous pouvez passer à la boutique de Thetford ou à la boutique de Québec. On est toujours présents et on peut vous donner des super bons conseils, justement. Oui, Dominique. Puis,
il ne faut pas se gêner pour leur dire, si vous venez en magasin et vous pensez que vous ne pouvez pas porter de jeans, venez nous voir, on va vous en trouver un jeans, puis vous allez être contente. Oui, puis ils sont tellement confortables, nos jeans. C'est vrai qu'on est reconnu pour avoir des jeans hyper confortables. C'est ça. Si vous allez à Québec, à la Place de la Cité, avec Dominique et son équipe, ils vont vous trouver un jeans qui convient parfaitement à votre silhouette et que vous allez aimer. Si vous venez à Thetford, on va faire la même chose. On va bien vous conseiller sur le choix de votre jeans. Parce que c'est important que la personne qui vous conseille dans les jeans connaisse bien son produit. Oui, vraiment. Tu as bien raison. Fait que c'est ça qui finit notre chronique pour aujourd'hui. Puis dites-nous, nous, on veut savoir c'est quoi votre base que vous avez là, depuis plusieurs années que vous mettez puis qui est encore belle puis qui est encore d'actualité. On est curieuse de savoir. Oui, on est vraiment curieuse. Puis on espère que vous avez aimé. Puis on vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye.